Le lion serait le fils d'Orton et de la chimère. Une tradition minoritaire lui attribue pour père Typhon, sans que la mère ne soit précisée. Une autre encore mentionne Sélénée, déesse de la lune, comme sa mère. Élevé par Héra, il fait régner la terreur dans la région de Némée, en Argolide. Il présente la particularité d'avoir une peau impénétrable. Un soir, Héraclès surprend le lion sur le versant d'une colline, après le repas de la bête. Dissimulé, il tire sur elle à coups de flèche, mais il s'aperçoit rapidement que le monstre est invulnérable. Ses flèches, offertes pourtant par Apollon, rebondissent sur son cuir. Le lion charge. Héraclès évite l'assaut. Il combat, armé seulement de sa massue en bois d'olivier. Il en frappe le lion, puis l'étouffe, brisant sa massue de la mêlée. Il l'écorche en utilisant les propres griffes du monstre pour entamer la peau coriace. Il nettoie la peau, que ni le feu ni le fer ne peut entamer, et s'en revêt. Zeus met le lion de le firmament au nombre des constellations. L'hydre de Lerne, créature monstrueuse vivant dans les marais de Lerne, dans le Péloponnèse, est née de l'union des monstres Typhon et Échidna. Possédant une haleine exhalant un poisson mortel, elle terrorise les habitants de la région d'Argos et décime leurs troupeaux. Il était d'une grosseur démesurée et avait 100 têtes, parmi lesquelles celle du milieu était immortelle. L'hydre habitait dans un marais non loin de Lerne. Tout le pays avait à souffrir de ses ravages. Sur les conseils d'Athéna, il força l'hydre à sortir en lui lançant des flèches enflammées. Puis, retenant son souffle à cause de l'odeur pestilentielle et mortelle qui se dégageait, il s'empara d'elle. Mais le monstre s'enroula autour de ses pieds pour essayer de le faire tomber. C'est en vain qu'avec sa massue, il lui assénait des coups sur la tête. À peine en avait-il écrasé une, que deux ou trois autres repoussaient à leur place. Un crabe géant, envoyé par Héra, sortit de la mer pour venir en aide à l'hydre. Il piqua Hercule au talon, qui, furieux, l'écrasa, et avec l'aide d'Iolas et d'Athéna, il cautérisa les plaies de l'hydre avec des tisons et parvint à arrêter la croissance continuelle des têtes. Alors, Héraclès décapita la tête immortelle, dont une partie était en or, et l'enterra toute vivante, alors qu'elle lançait encore des sifflements terribles, sous un lourd rocher au bord de la route qui va de Lerne à Éléalos. Il arracha les entrailles du cadavre et trempa ses flèches dans son venin. Et depuis lors, la moindre blessure de l'une d'elles devenait irrémédiablement mortelle. Pour récompenser le crabe, Cancer, de ses services, Héra le mit au nombre des 12 signes du zodiaque. La force n'étant pas la bonne solution pour humilier Hercule, Eurystée décide de lui confier un travail qui demande rapidité et dextérité. Capturer la bêche de Sérénie, appartenant à l'attelage de la chasseresse Artemis. Autant dire que l'animal sacré ne devait pas être blessé et encore moins tué. Hercule poursuivit l'animal toute une année sans l'atteindre. Il décide de le vaincre à l'usure. Il s'arme de patience, poursuivant sans relâche le véloce animal, le traquant jour et nuit. La biche entraîne son chasseur toujours plus au nord. La biche finit cependant par s'épuiser et se réfugia sur le mont Artémision. Elle voulut traverser le Ladon quand Hercule lui décocha une flèche entre l'os et le tendon de la patte en prenant soin de choisir une flèche non empoisonnée par le sang de l'hydre.
la biche fut immobilisée sans qu'une goutte de sang ne fût versée. Il chargea l'animal sur ses épaules et traversa l'Arcadie pour se rendre chez Eurysthée. Tandis qu'il se hâte à ramener la biche à Eurysthée, le héros se retrouve nez à nez avec les deux plus grands chasseurs de l'Olympe, les jumeaux Artémis et Apollon. Ils exigent purement et simplement qu'on leur soit restitué l'animal sacré, mais Héraclès leur explique qu'il est en mission pour le roi de Mycène. Au final, il promet de libérer la biche seulement après avoir prouvé son succès devant la cour. Artémis accepta le marché et le héros put enfin achever son troisième travail. Le sanglier d'Érymanthe était une bête sauvage aux proportions gigantesques qui vivait sur les pentes du mont Érymanthe ou dans les forêts du mont Lampia, en Arcadie, qui ravage le royaume de Psophis et terrifie ses habitants. La tâche d'Hercule était de le prendre vivant et de le ramener à Mycène. La créature sanguinaire qui ravagea tout sur son passage terrorise la population de cette lointaine contrée et rend infernal la vie dans le royaume de Psophis. Hercule la traque durant de longs mois, sans relâche, avant de trouver sa tanière. Un matin d'hiver, la neige se mit à tomber, recouvrant le mont. Hercule repéra aisément les traces du sanglier de la neige et se mit à le poursuivre. À la fin de la journée, comme Hercule l'espérait, le sanglier s'engagea sur un sentier qu'il avait modifié, débouchant sur un petit ravin. Le sanglier ne pouvait plus lui échapper. La bête tomba dans le ravin et sa chute fut amortie par la neige. Il fut juste assommé. Hercule ne put qu'à ficeler les pattes de l'animal et à le hisser sur son dos afin de l'amener à son cousin Eurysthée. Eurysthée décida de froisser l'amour-propre d'Hercule en lui assignant une mission aussi laborieuse que dégradante. Nettoyer les écuries d'Augias. Augias, le roi des Lydes, possédait un grand troupeau, mais il négligeait ses animaux. Depuis plus de 30 ans, il n'avait pas fait nettoyer ses écuries. Rébutés par les immondices s'y étant accumulés, même les esclaves refusaient d'y pénétrer. L'odeur pestilentielle des écuries arrivait même aux frontières avec la Grèce. Confiant en sa force, Héraclès se demande à être reçu par Augias et lui propose le marché suivant. Il se charge d'extraire tout le purin des écuries en une seule journée, en échange d'un dixième du formidable troupeau. Augias accède à la demande du héros et ne lui donne sa parole d'honneur que parce qu'il est certain de l'échec de l'entreprise. Sur place, Héraclès constate le degré extrême de saleté. Jamais il n'avait vu autant d'immondices dans un même lieu, et le nettoyage allait nécessiter, sans aucun doute, une immense quantité d'eau. Ainsi, lui vient l'idée toute simple de détourner les deux fleuves de la région. Sans perdre un instant, et avec la délicatesse qui le caractérise, il prend sa massue et crée deux brèches dans un des murs de l'écurie après avoir mis les animaux à l'abri. Il se lance ensuite sur le bord des deux rivières et creuse deux tranchées en direction des étables. Avec sa force titanesque, il jette dans les eaux des fleuves les plus lourdes pierres qu'il rencontre et bloque ainsi leur cours naturel. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, l'Alphée et le Pénée s'écoulent dans les canaux tracés par Héraclès et se précipitent vers les écuries, les décrassant, les nettoyant, les purifiant. Les eaux charrièrent tout le fumier accumulé depuis des années et emportèrent avec elles l'énorme couche d'excréments qui étouffait les terres fertiles des Lydes. Héraclès contemple fièrement le résultat de sa grande lessive et, voyant s'éloigner vers la côte les flots infâmes, il répare les dommages qu'il a causés. En une seule journée,
le héros réussit à rendre aux étables royales leur aspect original. En deux temps, trois mouvements, il colmate les brèches de l'écurie et rend aux deux fleuves leur lit d'origine. La surface du lac de Stéphal, située au centre de l'Arcadie, était devenue depuis bien longtemps le domaine d'oiseaux cruels. Ces oiseaux étaient les enfants de Mars, le dieu de la guerre. Leur bec, leurs serres et leurs ailes étaient en airain, leur taille monstrueuse, et la légende voulait qu'ils se nourrissent de chair humaine. Eurystée ordonna à Hercule de se rendre au lac de Stéphal et de l'en débarrasser de tous ces maudits oiseaux. Héraclès quitte Mycène et s'élance vers le centre de Péloponnèse pour atteindre l'Arcadie. Tout au long de son trajet, il constate les terribles dommages que provoquent les attaques incessantes des rapaces. Les jours qu'il rencontre le guide sur les traces des volatiles et parvient finalement au bord du lac Stéphal. D'horribles cris perçants permettent au héros de localiser leur refuge, une épaisse forêt située à l'autre extrémité du marais. En arrivant près du marais entouré d'épaisses forêts, Héraclès comprit qu'il lui serait impossible de chasser les oiseaux avec ses flèches, car ces espaces marécageux n'étaient ni assez fermes pour supporter le poids d'un homme, ni assez liquides pour qu'on pût utiliser une barque. C'est alors qu'Athéna apparut et lui remit une paire de grelots ou une crécelle de bronze, fabriquée spécialement par Héphaïstos. S'étant mis sur un éperon du mont Silène qui domine les marais, Héraclès fit tourner sa crécelle et déclencha un tel vacarme que les oiseaux effrayés s'élevèrent dans le ciel par bandes en un vol immense. Héraclès profite de ce moment pour s'armer de son arc et tirer une centaine de flèches à la seconde. Les oiseaux tombent un par un sous les coups rageurs du héros, les corps s'abattent au sol, s'écrasent sur les arbres jusqu'au dernier. Le silence envahit de nouveau la contrée, jauché de morceaux d'airain et de bronze. Héraclès avait exterminé les oiseaux du lac Stéphal avec l'aide de celle qui le soutiendrait toujours dans les moments difficiles, la déesse Athéna. Poséidon avait rendu furieux un magnifique taureau blanc offert à Minos pour qu'il prouve sa légitimité royale sur l'île, mais que le roi de Crète avait ensuite refusé de sacrifier au dieu de la mer. Le taureau dévastait les récoltes de l'île et menaçait les habitants de famine. Déchaîné par une folie destructrice, l'animal ravage les vignobles, dévaste les campagnes, fonce à travers les forêts, transperce le cœur des cités et assaille les habitants de la Crète. Eurystée, s'inquiétant de la popularité grandissante d'Hercule, œuvre de cette histoire. Le roi de Mycène et de Tirynthe lança donc au héros le défi de capturer l'effrayant taureau de Crète. En s'embarquant à Chronos, Hercule vit les gens quitter le port à la hâte et dans le plus grand désordre. Il se mit à courir au détour d'un chemin et vit le monstre furieux en train de saccager un champ. Notre héros poursuit l'animal enragé, cavalant à toute vitesse tant pour s'agripper à l'énorme cou du monstre que pour éviter un mauvais coup de corne. Une fois encore, la ténacité du héros va être récompensée. Profitant d'un moment de répit durant lequel le taureau broute tranquillement l'herbe verte de la plaine, Héraclès grimpe sur un arbre et se jette sur le dos de l'animal. Surprise et apeurée, la bête se met à bondir sur place avant d'entamer une course folle. Le héros s'accroche désespérément aux gigantesques cornes de la bête qui agite sa tête avec rage. Après avoir traversé l'île d'est en ouest et d'ouest en est pendant plusieurs jours,
l'animal s'immobilise et se soumet enfin à son obstiné cavalier. Héraclès, épuisé par ce rodéo et à la grande stupeur de Poséidon, a finalement réussi à dompter le taureau révolté et, profitant de la docilité de sa divine monture, il traverse la mer Égée sur son dos pour regagner Mycène. Eurystée ordonne à Héraclès de se rendre en Thrace afin de subtiliser les quatre juments carnivores de Diomède, le fils du dieu Arès. Diomède était cruel comme son père. Il donnait à manger à ses juments tous les naufragés qui accostaient à Thrace. Hercule, accompagné de quelques volontaires, débarqua en Thrace puis se dirigea vers les écuries de Diomède. Hercule assomma le personnel et s'empara des juments de Diomède. Il s'apprêtait à embarquer lorsque Diomède s'aperçut du vol. Il lança les bistons à sa poursuite. Hercule les battit, puis il captura Diomède. Il le donna à manger aux juments. Et Diomède subit le même sort que les pauvres naufragés qui s'étaient échoués à Thrace. Hercule les ramena à Eurystée, qui les relâcha, n'étant plus sauvages après avoir dévoré leur maître. Pour le 9e de ses travaux, Eurystée demanda à Hercule d'aller chercher, pour offrir cadeau à sa fille, Admète, une ceinture unique et magnifique que possédait la reine des Amazones. Parvenu à l'embouchure du fleuve Thermodon, Héraclès jette l'ancre. Il reçoit alors la visite de la reine des Amazones, Hippolyte, qui, émerveillée par la beauté d'Héraclès, lui donne bien volontiers la ceinture. Mais Héra, qui prenant l'apparence d'une Amazone, fait courir le bruit parmi les femmes qu'Héraclès veut enlever la reine. Toutes les Amazones lancent donc une attaque contre le navire d'Héraclès. Le héros, croyant qu'Hippolyte l'avait trahi, la tue, lui retire sa ceinture, puis met en déroute l'armée des Amazones. Hercule avait maintenant pour mission de ramener le troupeau de bœufs de Gériot, être qui possédait trois têtes et trois cours et qui passait pour être l'homme le plus fort du monde. Gériot vivait seul, entouré de 1000 bœufs roux. Pour garder cet immense troupeau, il possédait deux animaux tout aussi difformes et effrayants que lui. Orthros, un chien à deux têtes, et Eurysio, un dragon à sept têtes. Eurystée avait décidé d'offrir en sacrifice à Junon les bœufs de Gériot et il ordonna à Hercule de les lui ramener. Hercule s'élança donc en solitaire sur la Méditerranée afin d'atteindre plus vite ses lointaines contrées. Quand Hercule atteignit enfin le bout de la Méditerranée, là où Atlas soutient la voûte céleste, il repassa sur le continent européen par l'intermédiaire d'une petite bande de terre qui relie encore le sud de l'Espagne et l'Afrique du Nord. Il décida de laisser une trace de sa venue dans ses contrées. Il écrasa alors ses deux énormes poings au sol, ce qui ouvrit en deux l'écorce terrestre avec une secousse comparable à un séisme et forma ainsi deux colonnes rocheuses appelées depuis les colonnes d'Hercule, Ceuta et Gibraltar. Mais en séparant l'Europe de l'Afrique, Hercule a involontairement ouvert ce qu'on appelle aujourd'hui le détroit de Gibraltar. En effet, la Méditerranée, jadis immense lac d'Europe, s'engouffre rapidement entre les deux colonnes et se convertit alors en mer ouverte sur l'océan Atlantique. Des aboiements effrayants l'accueillirent à son arrivée sur le domaine de Gériot. Un molosse à deux têtes se jeta sur lui, en ouvrant ses gueules bavantes armées de crocs puissants. Hercule abattit le premier d'un coup de massue
et transperça la seconde d'un coup de glaive. Le chien monstrueux s'affaissa, sans vie. Le bruit alerta Géréo, le géant à trois têtes qui vint menacer Hercule. Il appela Eurition à son secours. Hercule sortit ses flèches empoisonnées et tira. Il atteignit 6 des 7 têtes de bouvier. Il pulvérisa la dernière d'un coup de massue. Vint ensuite un corps à corps terrifiant entre le Géréon et Hercule qui terrassa le géant de 3 flèches plantées au milieu des 3 fronts. Il ne restait plus aux héros qu'à ramener les bœufs à leur nouveau propriétaire, Eurystée. Hercule n'avait plus que 2 travaux à effectuer. Eurystée, qui ne désespérait pas de se débarrasser de son cousin, crut enfin trouver le moyen de lui confier une mission irréalisable. Il lui ordonna alors de dérober les pommes d'or du jardin des Hespérides. Ses fruits étaient sacrés, c'est Gaïa qui les offrit à Héra quand elle épousa Jupiter. Il fut replacé dans un jardin dont nul ne connaissait l'emplacement exact. Ses précieuses pommes étaient souvent dérobées par les filles d'Atlas. Héra en confia donc la garde à un monstre immortel à 100 têtes, ainsi qu'à 3 nymphes des Hespérides. Avant de se mettre en route pour ce nouvel exploit, Héraclès se renseigna sur la destination qu'il devait prendre. Bien que Nereïde lui indiquait le chemin qui menait au pays des Hespérides, il traversa toutes sortes de péripéties avant d'y arriver. L'une d'entre elles le vit se battre avec le géant Antéeux. Durant ce même voyage, parmi diverses pérégrinations, il libéra Prométhée, l'auteur de l'humanité que Zeus avait condamné à rester enchaîné sur les sommets du Caucase, car il avait donné le feu aux hommes, présents qui étaient réservés aux dieux. Même les pommes des Hespérides, mais de demander à Atlas de lui accorder cette grâce. Le géant Atlas portait Uranos, le ciel, sur ses épaules. Le héros lui proposa de le soulager un peu de poids d'Uranos s'il consentait à aller lui prendre 3 pommes dans le jardin des Hespérides. Atlas déroba les 3 pommes, mais il déclara ensuite qu'il ne voulait pas reprendre Uranos sur ses épaules et qu'il irait donc lui-même apporter les fruits précieux à Eurystée. Le demi-dieu fit alors une fois de plus preuve de ruse et demanda à Atlas de tenir un court instant la voûte céleste afin qu'il puisse mettre sur ses épaules un coussin étant donné qu'il n'était pas habitué à un tel poids. Atlas, sans se douter de rien, reprit Uranos tandis qu'Héraclès s'emparait des pommes que les géants avaient posées sur le sol et s'enfuyait aussi vite que possible. Eurystée fit donc l'acquisition de pommes en or mais il ne savait pas quoi en faire. Il les offrit donc à Athéna qui les ramena dans leur pays d'origine, car elles ne devaient se trouver nulle part ailleurs que dans le jardin divin. La dernière et la plus périlleuse mission d'Héraclès l'obligea à redescendre dans le royaume des ombres, d'où jamais aucun mortel n'était revenu. Le monstre Cerbère, énorme chien tricéphale à queue de dragon, dont l'échine était hérissée de serpents, laissait entrer les vivants, moyennant un gâteau de miel, mais empêchait les morts de sortir, gardant la rive du Styx opposée à celle où s'amarrait la barque de Charon. À tâtons, Héraclès s'enfonce dans la terre avec cette étrange impression d'être observé. Malgré cela, il poursuit son chemin sans brocher. Il débouche alors sur une région désolée, sans aucune forme de vie, où des eaux froides et stagnantes, des fleuves sans courant, accentuent cette impression de néant. Il y a là le Styx, l'Achéron, ou encore le Pyriflégéton ou le Coccyte, dont les noms seuls suffisent à glacer le sang des mortels.
le héros aperçoit bientôt, revenant de l'autre rive, une barque délabrée, conduite par un vieil homme à l'aspect sinistre. C'est Charon, le passeur, qui est chargé de faire traverser les âmes des défunts. Quand Héraclès se présente devant le vieux doutonnier, ce dernier est épouvanté de voir tant de vie dans ce corps et tant de détermination dans ce regard. Le prince des ténèbres n'est pas très accueillant, et quand le héros se présente et lui expose son dessein d'enlever Cerbère, il lui impose une série de conditions. D'abord, il ne devra utiliser ni armes de fer ni bouclier. Ensuite, il devra vaincre à main nue le monstre sans jamais le tuer, ni lui faire couler une seule goutte de sang. Bien décidé de clore ce 12e travail par une victoire, Héraclès se promet de ne faire aucun mal au Molosse, quitte à risquer sa vie pour cela. Hadès lui indique alors qu'il trouvera l'animal près des portes de l'Achéron. Sur ces mots, le héros se lance à la recherche de Cerbère, et bien vite, il retrouve les traces du monstre, et il n'a qu'à suivre les empreintes laissées dans le sol couvert de cendres et de boue. Quand il aperçoit enfin la bête, le spectacle qui s'offre à lui est monstrueux. Le chien possède 3 énormes têtes et son poil est hérissé de serpents. Mais il en faut plus pour effrayer Héraclès qui se précipite en hurlant sur l'une des terrifiantes gueules du monstre. Vêtu de son invincible peau de lion, le héros peut sans trop de crainte affronter l'animal au corps à corps. Bien que la fourrure de serpent tente de le mordre à plusieurs reprises, Héraclès s'agrippe au cou de la tête centrale et il commence à serrer jusqu'à ce que la tête gémissante et suppliante reconnaisse en lui son nouveau maître. Après avoir domestiqué Cerbère, le héros lui attache une laisse et entame le chemin du retour à la surface, entraînant derrière lui la bête créative et obéissante. Hercule s'introduit dans Mycène avec le monstre, et il poursuit jusqu'au palais royal, effrayant toute la population. C'est l'occasion rêvée pour terroriser le dernier fois le malheureux Eurystée, qui, à la vue de Cerbère, court une nouvelle fois se jeter au fond de sa jarre et ordonne à Héraclès de ramener le chien aux enfers et de quitter les lieux pour toujours. Ainsi, bien loin de déplorer une nouvelle fois l'inutilité de ses travaux, Héraclès restitue le gardien de l'Hadès avec toute la joie d'un prisonnier qui retrouve sa liberté après 12 années d'expiation. Ce repos, aussi bref qu'il soit, lui sera bien mérité. Ainsi se terminent les 12 travaux d'Hercule.